إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أيها الإخوة والأخوات، nous avions parlé dans une conférence précédente concernant le repentir à Tawba. Et nous avons vu que le repentir à Tawba n'est pas un choix, mais une obligation. Le repentir, c'est le chemin du retour vers Allah Azza wa Jal. Le repentir, c'est cette purification, tasfiya, tathir, cette purification que subit le croyant al-mu'min, ainsi que la croyance al-mu'mina, dans son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. إذا تحدثنا في محاضرة ماضية عن التوبة، وعرفنا وعلمنا أن التوبة ليس خيارا، وإنما هو واجب تقتضيه الفطر السليمة. التوبة عودة وأوبة إلى الله تعالى. التوبة إصلاح ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. التوبة تطهير وتصفية لبني آدم من الآثام والخطايا. Aujourd'hui, إن شاء الله تعالى, le sujet que nous allons traiter est lié directement à ce sujet ou au thème précédent qui est celui de repentir. Nous allons nous arrêter quelques moments auprès de certains récits de gens qui se sont repentis. Nous allons voir comment ils se sont orientés, quel était le déclic, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont revenus à Allah Azza wa Jal alors qu'ils étaient dans l'errance et l'égarement. في هذه المحاضرة الموضوع الذي سوف نتطرق إليه له وشيجة، له صلة حميمة ووثيقة بموضوعنا الأمس أو موضوعنا الماضي، أعني التوبة. وهذا الموضوع الذي سوف أفتحه معكم هو حول قصص التائبين أو قصص بعض التائبين، وسنرى ما هو الدافع، ما الذي حدا بهم أنهم عادوا وأقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى، ما الذي جعلهم يتوبون ويؤوبون إلى الله تعالى. ماذا غطوا؟ نذون غفلك الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى lorsqu'il a créé l'insan, il a fait en sorte que cet être humain, l'insan, c'est une personne, c'est un individu qui ne vit pas seulement pour lui-même. Il a besoin d'Allah Azza wa Jal. Na'am. Ensuite, après cela, il a besoin des autres membres de la communauté
de la société. Et c'est pour cela que le père fondateur de la sociologie, l'imam Ibn Khaldoun, rahimahullah, il disait « Al-insan madaniyun bittab'a ». Il dit « L'être humain est sociable par nature. Il ne peut pas se passer des autres. La société humaine est basée sur les échanges. Tabadul al-masalih. Échange d'intérêts. Mais également ici, dans ce que nous allons voir, les récits de ces repentants, nous voyons également ici que nous avons besoin, nous, en tant que croyants et croyantes, mu'minoun ou mu'minat, nous avons besoin de ces récits pour nous rappeler les dhikra. Wa dhakir, fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Les savants disent aussi que la raison et l'intelligence humaine est de deux catégories. Al-aql ou aqlan. Il y a ce qu'on appelle al-aql al-matbou' ou al-aql al-masmou'. Al-aql ou aqlan, matbou' ou masmou'. Que veut dire cela? Il y a deux raisons, deux intelligences. La première, c'est une intelligence, une raison innée qu'Allah a créée en l'homme. Il a doté de cet instinct qui lui permet de connaître le bien et le mal, de distinguer le chemin de la guidance de celui de l'égarement. Et le deuxième, aql al-masmou', c'est une intelligence qui s'acquiert par l'écoute, l'attention, l'istima', al-tadabbur, en écoutant ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aux autres. Voilà les deux catégories de la raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons voir dans certains versets, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il relate les récits du Coran concernant les peuples précédents, concernant ceux qui ont combattu Allah Azza wa Jal, qui ont combattu les prophètes, ce n'est pas des récits pour que les gens passent leur temps à les lire pour la ligne. Mais la raison principale, c'est at-tadabbur, c'est at-ta'aqqul, c'est que nous comprenions, c'est que nous tirions des leçons et nous méditions sur cela. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Faqsus al-qasas la'allahum yatafakkaroun »« Faqsus al-qasas la'allahum yatafakkaroun » Relate-leur les récits, récite-leur ces récits, « La'allahum yatafakkaroun » Peut-être vont-ils réfléchir. Et nous voyons que, comme nous l'avons indiqué, que le Coran accorde une grande importance à ce côté. Et les psychologues, ainsi que les pédagogues sont tous d'accord que le fait de relater certains récits, ou que les récits, al-qisas, jouent un grand rôle dans l'éducation, al-tarbiya. Al-qisas, les récits, les histoires que nous lisons, jouent un très grand rôle dans l'éducation, en bien ou en mal. Lorsque nous retournons le Coran, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a souligné l'importance de ces récits qu'il relate, et que ce n'est pas un décor, mais c'est pour que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ainsi que tous les croyants et croyantes qui viendront après, en tireront des leçons et en feront matière à méditer. Et parmi ces versets, le verset où Allah Azza wa Jalla nous dit « Tilka al-qura naqussu alayka min anba'iha »« Tilka al-qura naqussu alayka min anba'iha » Ces cités, ces villages, dont nous te récitons de leurs nouvelles, nous te relatons certaines de leurs nouvelles, afin que les croyants réfléchissent ce qui est arrivé, ce qui s'est produit à ces nations, à ces villages, à ces contrées qui ont désobéi à Allah. فَحَلَّ بِهِمُ الْعِقَابِ Et ils ont été frappés par le châtiment. Également, vous connaissez le récit Al-Fitya, ces jeunes croyants dans Surat Al-Kahf, où Allah Azza wa Jalla nous dit « نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى نحن nous te récitons leur récit, leur histoire avec vérité. Ces jeunes-là, إنهم فتية آمنوا بربهم زدناهم هدى. Ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur et nous leur avons donné plus de guidance et orienté vers la guidance. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala souligne que dans les récits, al-qisas, il y a bien sûr ibra, une leçon, pour ceux bien sûr qui réfléchissent. Pour ceux qui réfléchissent.
Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Il y a dans le récit des leçons. Ô vous qui réfléchissez, ô vous qui êtes dotés de raison, عقول سليمة. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a également relaté certains récits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un jour, à la Mecque, un des compagnons est venu le voir en lui disant Ya Rasulallah, ud'u lana rabbak an yansurana. Demande à ton Seigneur, ya Muhammad, demande à ton Seigneur qu'il nous donne la victoire, on n'en peut plus. On souffre, nous souffrons sous la torture, nous souffrons sous les persécutions des Quraishis. Et pourtant, quelle a été la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a dit إنما كان من قبلكم رجل قد أتي به فشق بمنشار من حديد ما كان ذلك ليرده عن دينه شيئا. Il dit parmi ceux, les nations qui étaient avant vous, donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate un récit afin que ce compagnon en tire une leçon. Il dit, les gens qui étaient avant vous, on en est l'un d'entre eux, et avec une scie en fer, on le coupe en deux. Et malgré cela, malgré cette torture, cette souffrance, cet homme n'était pas prêt. Il voyait la scie qu'on allait passer sur sa tête, il n'était pas prêt à abandonner sa foi. لَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ. Mais vous êtes des gens trop précipités. Vous cherchez la précipitation. Également le récit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a relaté concernant cet homme, qui venait Israël. Cet homme qui a tué 99 âmes. Un homme qui a tué 99 âmes, c'était un criminel. Et il s'est présenté un darahi, un moine. Et il lui a dit, Halli min tawba. Et j'ai repenti après tout ce que j'ai fait. Il lui a dit, Laqad qataltu 99 nafsa. J'ai tué 99 âmes. Halli min tawba. Et j'ai repenti. Il lui a dit, là. Alors il l'a tué lui aussi. Ça fait ça. Donc il a rempli le quota. Et lorsqu'il s'est rentré vers une autre personne, un autre moine, il l'a également interrogé en lui disant, Halli min tawba laqad qataltu 100 nafsin. J'ai tué 100 âmes. Y a-t-il un repentir? Il a dit, na'am. عليك أن تخرج من هذه الأرض فإنها أرض سوء. Il lui a ordonné de quitter ce territoire, car il lui a dit, ce territoire dans lequel tu vis est un territoire de perversion, afin que tu aies dans un autre endroit qui soit beaucoup plus pur, athar, et où tu puisses revenir sur la guidance, al-hidayah. Et bien d'autres récits que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam relatait, non pas, mes chers frères et sœurs, pour amuser ses compagnons, non pas pour cela, mais pour les éduquer, pour leur donner des leçons, tout comme lui, sallallahu alayhi wa sallam, a été éduqué par le Coran. Il a été éduqué par le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui relate les récits, qisas al-anbiya, qisas al-aqwam, qisas al-umam al-madiya. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala relate le Coran, les récits des peuples, des prophètes, des nations précédentes, et ce qui leur est arrivé. Tout cela pour l'éduquer, tout cela pour le raffermir dans sa foi. L'imam Abu Hanifa, رحمه الله nous dit, il dit, الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه. الحكايات جند من جنود الله. Il dit, les récits, ce sont des soldats d'Allah عز وجل. يثبت الله بها قلوب أوليائه. C'est par ces récits, ce sont comme des soldats qu'Allah عز وجل envoie إلى الأسماع, à nos oreilles, à notre entente, afin de raffermir les cœurs de ses amis intimes, l'Awliya, l'Awliya Allah Azza wa Jal. Commençons par ces récits. Et bien sûr, ces récits sont nombreux. J'en ai retenu bien sûr que 5, pas plus. Et la méthode que je vais suivre, Inch'Allah, je vais faire en sorte que je vous relate ce récit et on en tire. Et j'en tirerai, Inch'Allah, les principales conclusions de ce récit. Le premier récit, c'est le récit du compagnon Abu Lubaba al-Ansari. Abu Lubaba al-Ansari, radiallahu anhu arda. Ce compagnon fait partie de ceux qui n'ont pas participé à l'expédition de Tabouk, Ghazwat Tabouk. Et lorsqu'il n'est pas parti,
Ce compagnon, lorsqu'il s'est absenté sans raison valable, il s'est absenté sans raison valable de cette expédition, il s'est donné du remords. Il était dans un malaise total. Au point qu'il s'est attaché lui-même à un poteau. Et est resté près de 7 jours. Radiallahu anhu, il est resté près de 7 jours sans boire et manger. Et c'était bien sûr, dans une autre narration rapportée par Ibn Hajar, c'était sa fille qui venait le détacher de temps à autre pour qu'il aille faire sa prière et qu'il revienne. Et elle le rattachait de nouveau et il s'est évanoui plusieurs fois. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu d'expédition et que le verset du repentir concernant ceux qui se sont absentés de l'expédition de Tabouk sont descendus, on lui a annoncé la bonne nouvelle. On lui a dit, « Ya Aba Lubaba, Abshir, on t'annonce la bonne nouvelle. Allah a pardonné à ceux qui se sont absentés sans raison valable de l'expédition de Tabouk. Tu peux te détacher. » Il a dit là. J'attends que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vienne lui-même me détacher. Afin qu'il me l'annonce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est présenté à lui, et qu'il l'a détaché, donc il a détaché Abu Lubab al-Ansari, il a détaché les cordes qu'il a attachées à ce poteau. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Il a dit, « Ya Rasulallah, laqad ahadtu Allah ala nafsi, an ahjura dara qawmi, وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. يا رسول الله, j'ai pris un engagement depuis ce moment, depuis maintenant, j'ai pris un engagement de quitter ma demeure. J'ai pris également un engagement de m'arracher de tous mes biens. Tout ce que j'ai comme bien, je les transforme en صدقة en aumône لله ولرسوله. Et le prophète صلى الله عليه وسلم en écoutant cela lui dit, يجزئك الثلث منها. Il te suffit, si tu veux vraiment dépenser, si tu veux vraiment te racheter par rapport à la faute que tu as faite, il te suffit de donner le tiers de tes biens. Quelle histoire, Abu Lubab. Où sont ces gens aujourd'hui qui, lorsqu'ils commettent un péché, une turpitude, le regrettent amèrement? Où sont ces gens dont les cœurs se déchirent, lorsqu'ils commettent une turpitude, une perversion quelconque? Ilallah al-Mushtaka. Alors les principales leçons que l'on tire de ce récit, la première, nous remarquons al-nadam wa taqattu' al-qalb, un regret profond et un cœur qui se déchire au point que ça a poussé ce compagnon, radiallahu anhu arda, à s'attacher à un poteau jusqu'à ce que le pardon d'Allah Azza wa Jalla puisse descendre. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Ahmed, mais c'est un hadith sahih avec une chaîne de transmission authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « An-nadamu tawba » Le regret fait office de repentir. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate le regret, alors qu'on a vu dans la conférence précédente concernant le repentir, que le repentir ne serait pas seulement regret, qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments qu'il faut observer. Mais ici cela, c'est comparable à ce qu'a dit le prophète sallam dans d'autres hadiths lorsqu'il dit Al-Hajj Arafa. Al-Hajj Arafa. Le pèlerinage, c'est la station, c'est le fait d'être debout à la station de Arafa. Pourquoi Arafa? Parce que Arafa, c'est le pilier le plus important. C'est le moment le plus important du pèlerinage. Ici, c'est la même chose. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Nadamu Tawba, le regret fait office de repentir, c'est dans le même sens. Et également, la parole d'Allah Azza wa Jalla qui nous dit « La yazalu bunyanuhum alladhi banaw raibatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum » Parlant des hypocrites dans Sourate Tawbah, ces hypocrites qui ont construit cette mosquée concurrente, Masjid al-Dirar. Les hypocrites al-Munafiqoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont construit une mosquée pour concurrencer al-Masjid al-Nabawi, la mosquée prophétique. Et pourtant, qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jalla? Elle dit, la taqwa alayhi khafiya. Rien ne lui échappe. Il dit, la yazalu bunyanuhum. Cet édifice qu'ils ont construit, raibatan fi qulubihim. Cet édifice qu'ils ont construit ne cesse d'être un doute dans leur cœur. Ils l'ont construit, mais ils sont dans le doute. Ils savent qu'ils ont tort.
Ça, c'est les munafiqin. Illa an taqatta' qulubuhum. Sauf si leur cœur sincèrement se déchire, et comme nous l'avons vu, qu'un des savants a dit concernant, c'est le Tawri qui nous dit concernant illa an taqatta' qulubuhum, qu'il s'agit du repentir et tawba. Également, nous retenons comme leçon de ce récit ce geste que le compagnon a voulu faire. Ce remords qu'il avait l'a poussé à vouloir échanger cela par de bonnes actions. Il a voulu, après être libéré, après s'être détaché, il a voulu donner tous ses biens. Sadaqa. Lillahi wa li rasoulihi. Et par rapport à cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِلَّا مَنْ بَدَّلَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلَ ظُلْمًا بَعْدَ سُوءٍ ثُمَّ بَدَلَ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ sauf ceux qui se sont, qui ont commis une injustice. ثُمَّ بَدَلَ حَسَنًا il a fait à la place, il a remplacé son injustice, sa turpitude, par quoi? Par une bonne œuvre. فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ Serge, je suis غَفُور, je pardonne, رَحِيم, je suis clément. Donc, إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ Le deuxième récit d'un homme de science très connu qui se dénomme Fudayl ibn Iyad. L'imam Fudayl ibn Iyad, cet homme pieux, Rajulun Saleh, cet homme de science, a également un récit par rapport à cela. Avant cela, c'était un brigand, donc il se mettait sur les chemins des caravanes et pillait les caravanes. C'était ça son travail. Alors qu'est-ce qui l'a poussé, rahimahullah, qu'est-ce qui l'a ramené au droit chemin? Je vous l'ai dit au début, il y a toujours un déclic. Allah subhanahu wa ta'ala khaliqul asbab. Allah azza wa jalla crée les causes, les facteurs, ce déclic qui va faire que la personne va se réveiller, qui va faire que la personne va retirer cette couche d'insouciance qui surplombe son cœur. Son récit à lui est le suivant. Fudayl ibn Iyad avait une très grande réputation d'être un brigand, un bandit. Il se mettait sur le chemin des caravanes et les pillait, sans pitié. Pourtant un jour, qu'est-ce qui lui est arrivé? Un jour, il y avait une petite cité, ou un petit village, et c'était une station où une caravane était passée pour se reposer, un peu comme les parkings. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est orienté là-bas, et il a vu une jeune femme, une servante, Jaria, qui lui a plu. Au moment où il grimpe le mur pour aller la déranger, il entend un verset. Subhanallah. Ça c'est la preuve. Après avoir fait ce verset, vous allez voir que c'est la preuve de ces gens. Avant encore ce qu'on appelle Al-Fitra Salima. Cette nature saine. Ce verset est le suivant. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. N'est-il pas temps? Le moment n'est-il pas venu aux croyants أن تخشع قلوبهم لذكر الله que leur cœur soit humble lorsqu'ils entendent le rappel d'Allah Azza wa Jal. Ce verset l'a secoué. Il est directement redescendu de ce mur qu'il a grimpé. Ça c'est la première clé qu'il a reçue. La deuxième, il a décidé de passer la nuit parce que Satan, bien sûr, Iblis, est sur son chemin. Vous croyez que Satan va le laisser revenir? Pas du tout. Il est venu donc s'installer dans une maisonnette, dans ce village, pour se reposer. Et il entend. Il entend les responsables de la caravane qui disent « Nabitu huna hadihi layla » Nous passerons la nuit ici cette nuit. Pourquoi ?« Li'anna fi tariqi Fudayl wa innahu ma'rouf bi sariqat al-qawafi » Il dit parce qu'il est sur le chemin Fudayl, et la nuit, on ne le voit pas. Alors il va nous piller et ce sera terminé pour nous. Et là il s'est dit, subhanallah.
Amshi fil layli bil ma'asi. Je passe mes nuits dans les péchés et les turpitudes. Wa'ula, et ces gens-là me redoutent la nuit et le jour. Et ceci également, cette phrase, cette peur, cette crainte que ces gens avaient de lui, a également été un déclic qui a fait, comme le dit Ibn Hajar, وَهَذَا مَبْدَأُ تَوْبَتِهِ. Et c'était le point de départ de son repentir. رَحِمَهُ اللَّهُ. Alors qui sont ces gens? Où sont ces croyants et croyantes qui, lorsqu'ils entendent certains versets, leur cœur devient humble, leur cœur se plie par la crainte d'Allah Azza wa Jal. أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Le moment n'est-il pas venu? Le moment n'est-il pas venu aux croyants, un tarsha'a qulubu zikrillah, que leur cœur soit humble lorsqu'ils entendent le rappel d'Allah Azza wa Jal? Voilà. Qu'est-ce qu'on en retient comme leçon? On retient une grande leçon. Athar al-Qur'an. L'impact que le Qur'an a sur les nufus. L'impact que le Coran a, le Qur'an, sur les consciences, les âmes, mais bien sûr les consciences et les âmes saines, même s'ils sont emportés quelquefois par l'insouciance. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ, certes les croyants, qui sont-ils? Qui sont ces croyants? الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ, ce sont ceux que lorsque on cite le nom d'Allah, on se rappelle de lui. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, leur cœur devient humble, devient soumis. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, et lorsqu'on récite auprès d'eux les versets d'Allah, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, leur foi ne fait qu'augmenter. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ce n'est pas étonnant lorsque déjà les temps du prophète, lorsque vous retournez à la sira, à la biographie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que nous voyons? Les polythéistes, al-mushrikoun, al-kubara, les grands parmi eux, avaient donné une consigne aux jeunes, shubban Quraysh, aux jeunes de Quraysh, la tasma'u li hadha al-Qur'an, wal-mughufi, n'écoutez pas ce Coran, et élevez vos voix dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils savent l'impact que le Coran touche lorsqu'il frappe les cœurs. Et c'est pour ça que l'un d'entre eux, dénommé Tufayl, il avait entendu qu'il y avait un embargo sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la cité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu justement outrepasser cette consigne en disant, mais pourquoi ce Coran est interdit? Qu'est-ce qu'il a de si impressionnant? Et la règle jusqu'à nos jours est connue. Kullu mahroub, marghoub, kullu mamnou'in marghoub, tout ce qui est interdit est souhaité. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait les marchés noirs. À quoi servent les marchés noirs? Tout ce qui est interdit, les gens vont quand même aller le chercher. Si demain on interdit un livre, ben au contraire, les gens vont directement le chercher là où ils se trouvent. Elle ne fousse le bacharia. Les hommes humains sont pour ça. La curiosité. Et c'est ce qui a poussé ce polythéiste une nuit à aller écouter le prophète. Il est venu devant sa porte, devant sa demeure, et il a commencé à écouter. Alors que le prophète récitait « Kana yatlu al-Qur'an, salawat rabbi wa salam alayhi ». Il récitait le Qur'an. Et il a été subjugué, envahi par cette lecture, par cette beauté al-Rawa, la beauté du Coran, le Qur'an. Et directement il est revenu, il est venu vers la Kaaba, où les grands de Quraysh, Kubara Quraysh, ont leur assemblé ou se réunissent, et leur a dit إني سمعت كلاما وإن فيه لحلاوة. Déjà entendu une parole, mais ô combien douce cette parole. Et il a commencé à vanter ce qu'il a entendu. Et c'est là qu'ils ont dit لقد سحرك محمد. Muhammad t'a ensorcelé. Et فما زالوا عليه. Ils n'ont cessé de faire pression sur lui. Jusqu'à ce que malheureusement il est resté sur le shirk, le polythéisme. Mais regardez le Coran ce qu'il fait. Quel impact. Le troisième récit d'un contemporain, un personnage très connu, connu pour ses conférences, pour ses discours. Il est connu pour ses conférences et ses discours.
Il s'agit du Cheikh Saïd ibn Mousfir al-Qahtani. Saïd ibn Mousfir al-Qahtani, hafidahullah, qu'Allah le protège. Ce personnage, cet homme, nous relatons ici son histoire qui a fait qu'il s'est repenti. Premièrement, il est inspecteur, ou il était inspecteur d'éducation physique. C'est lui qui était chargé par le ministère de l'enseignement, de passer dans les écoles et de voir si les enseignements, si les professeurs d'éducation physique de gymnastique font leur travail correctement. C'était ça son travail. Et pourtant, il relate son histoire, il dit qu'il a grandi dans une famille ordinaire, simple, pieuse, saléha, mais que bien sûr dans sa jeunesse, il n'était pas très assidu dans la prière. Quelquefois il priait, et en d'autres moments, qu'est-ce qu'il fait? Il relâchait. Et bien sûr, il avait également une règle qui était, comme il le relate parlant de lui-même, il dit, j'avais une règle, c'est que la prière avec moi marchait d'après les occasions. Elle m'a ouassé. Donc si le Ramadan approche, il se remet à prier. Si le Ramadan sort, il lâche tout. Et pourtant, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pendant le Ramadan, justement, son histoire. Il dit que dans l'administration où il travaille, il y a avec lui un frère dénommé Suleyman, qui est un collègue à lui du travail. Et au moment de partir, avant l'Asr, au moment de partir donc à leur demeure, ce fameux Suleyman lui a dit, « Ya Saïd, où vas-tu ?» Il dit, « Je rentre chez moi, je vais rentrer chez moi me reposer. » Quelle était son habitude? Et subhanallah, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui dans nos pays et même ici. Ces jeunes qui pendant le Ramadan dorment, que ce soit à partir de dehors, s'y prient dehors et encore. Bref, ils font sauter l'Asr et ils dorment jusque quand? Jusque quelques minutes avant le Maghreb. Et puis ils se réveillent bien sûr avec de grands yeux qui sortent de leurs orbites. Alors il avait cette habitude de rentrer chez lui, de dormir, de ne pas prier l'Asr, de dormir jusqu'à avant le Maghreb. Alors il lui a proposé, ce fameux Suleyman lui a proposé, il lui a dit, pourquoi ne ferions-nous pas un tour dans le parc d'à côté, pour discuter. Et le cher Saïd ibn Mousfir, lorsqu'il parle de ce fameux Suleyman, il dit que c'est un homme d'une certaine sagesse, hikma, d'une certaine piété, salah. Il l'emmène dans le parc, ils sont promenés, et subhanallah, il lui a dit, ils ont commencé à discuter, et il lui a récité, ou il lui a relaté un hadith très long, qui est rapporté par Ahmed et Abu Daoud, d'après le compagnon Al-Barra ibn Azib, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la mort, al-maut, et qu'est-ce qui se passe après la mort. Donc tous les détails, ce long hadith parle de tous les détails concernant la mort, jusqu'à l'arrivée de l'âme auprès d'Allah Azza wa Jalla. Alors il dit ce hadith, quand je l'ai entendu, il dit j'ai pris peur. Car je n'avais jamais entendu ce hadith. Ma arfalana. Oh combien nous sommes insouciants, mes chers frères et sœurs. Il dit, je n'ai jamais entendu ce hadith. Ce hadith que ce frère Suleyman a cité à relater l'a secoué. Parce que ce hadith parle de la mort, de ce qui se passe après la mort, de ces questions. Lorsque les anges, les deux anges Munkar et Nakir, interrogent le mort. Qui est ton Seigneur? Quel est ton livre? Qui est cet homme qui était envoyé auprès de vous? Etc. Alors il s'imaginait, ce cher Saïd, il s'imaginait déjà dans la tombe lorsqu'il écoutait ce récit. Et en interrogeant donc ce frère Suleyman en lui disant, d'où as-tu tiré ce hadith? Je souhaiterais également le lire. Il lui a dit, je l'ai lu dans Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Ensuite, il lui dit, donc le cher Saïd dit à ce frère Suleyman, il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de lire comme livre maintenant? Il lui a dit, je suis en train de lire Al-Kaba'ir, le livre des péchés capitaux de l'imam Zahabi. Ainsi, une soirée, il dit qu'après l'Isha, il dit pour la première fois,
Premièrement, j'ai prié à la mosquée l'Isha, le jour la même. J'ai prié l'Isha à la mosquée. Deuxièmement, j'ai prié Tarawih dans son entièreté. Alors que ça, c'était une chose qui était pour lui inconcevable, inimaginable. Qu'il préfère Tarawih à son entièreté. Il préférait passer sur son temps devant la télévision ou alors, comme on dit, une soirée Taqsir avec ses copains et ainsi de suite. Et pourtant, ce hadith a été un déclic. Et le soir même, il a été invité par ce frère Souleyman, Jazakallahu Khairan. Il l'a invité chez lui et ils ont lu les quatre premiers péchés capitaux. Al-Kabair al-Arba'a. Le premier qui est Ash-Shirk Billah, associé à Allah Azzawajal. Le deuxième, Al-Sihr, la sorcellerie. Le troisième, Qatlun Nafs, allati harrama Allah ila bilhaq. Donc l'homicide volontaire. Et le quatrième, et c'est ça qui l'a secoué également, le quatrième, tarku salat, l'abandon de la prière. Et en lisant, en écoutant, il décida de lui-même de prendre ses livres, de s'arrêter à cette kabir, à ce grand péché qui est celui de l'abandon de la prière, le quatrième, et de commun accord avec ce frère, ce brave frère Souleyman, il décida de se rendre dans la mosquée de son quartier et de lire ce hadith. De lire ce hadith afin que ce soit un rappel pour lui-même et un rappel pour tous les croyants. Rappel car le rappel profite aux croyants. Et il dit ceci était le début de mon repentir. Et donc maintenant, comme je l'ai indiqué au début, le Cheikh Saïd ibn Mousfir al-Qahtani est connu, est très connu, très renommé, donc en Arabie en particulier, pour ses conférences et bien sûr ses discours et ses sermons. Alors de son récit, qu'est-ce qu'on retient? On retient également deux leçons importantes. Si on élargit un peu son récit, son histoire, il disait, il se disait bon lui-même, parlant de lui-même, il dit, lorsque j'étais jeune, je me dis, c'est pas grave. Si je ne prie pas maintenant, je prierai plus tard. Je suis encore jeune. Je peux encore m'amuser, profiter de ma jeunesse. Lorsque j'atteindrai un certain âge, c'est là que je commencerai à prier et à me caser, comme on dit aujourd'hui. Subhanallah. Ça, c'est le piège d'Iblis. Écoutez ce qu'Allah Azza wa Jal. Écoutez ce qu'Allah nous dit d'Iblis. C'est le piège qu'il fait à beaucoup de jeunes. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum shaytan illa ghurura. Ya'iduhum Satan, Allah parlant, Allah Azza wa Jal parlant de Satan, Iblis. Qu'est-ce qu'il dit de lui? Ya'iduhum, Iblis leur fait des promesses. Wa yumannihim, et il alimente en eux l'espoir. Wa ma ya'iduhum shaytan illa ghurura. Alors qu'en réalité, ce que promet Satan aux gens, à ces jeunes, Al-Ghurur, ce n'est que tromperie. Al-Ghurur, ce n'est que tromperie. Ce n'est quelque chose de superflu, infondé. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura. Également, ce qu'on retient également dans son récit, si on l'élargit, il dit, Cheikh Saïd ibn Mousfir al-Qahtani, il dit que lorsqu'il a quitté cette promenade, lorsqu'il se rendait vers chez lui, c'est normal qu'il y ait une crise, azma nafsiya, il y a une crise interne. Et il disait, au fond de lui-même, il se disait, j'ai devant moi deux chemins. Le chemin de l'obéissance, tariq al-ta'a, wal-iman, et le chemin des jouissances, tariq al-malazat, wal-ma'asi, et des péchés, lequel je vais choisir. Il est habitué à se laisser aller. Que va-t-il choisir? صدق الرب عز وجل إذ يقول وهديناه النجدين. Nous avons orienté, nous avons guidé l'être humain vers deux chemins. L'être humain, l'insan, est à la frontière de deux chemins. النجدين. Le chemin du bien et le chemin du mal. فاختر أيهما شئت إن كنت عاقلا. Choisis l'un des deux et le meilleur si tu es vraiment quelqu'un de sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également inna hadaynahu as-sabeel imma shakiran wa imma kafura. Inna hadaynahu as-sabeel dans sourate Insan. Inna hadaynahu as-sabeel, nous avons orienté l'être humain vers le chemin
Imma shakiran wa imma kafura. Soit il fera partie de ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'mat al-huda, pour le bienfait de la guidance. Ou alors il fera partie des personnes ingrates qui tourneront le dos au message divin et à l'appel divin. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Le récit suivant, c'est le récit d'une femme très connue. Cette femme, c'était une étoile, malheureusement dans le facet, dans la perversion. C'était une grande artiste et actrice, c'est l'égyptienne, qui se dénomme Shams al-Baroudi. Alors cette femme égyptienne, qui nous relate son histoire et son récit dans un interview qu'elle a accordé à une revue, où elle relate comment elle s'est repentie, comment elle est revenue, comment elle a quitté ce monde, qui est celui du cinéma. Alors elle dit, elle relate qu'elle a grandi, dans une famille ordinaire, musulmane. Les parents étaient des gens très simples, et elle a reçu une éducation de base, tarbiya asasiya. On ne lui a pas fait grand chose sur l'islam, si ce n'est que l'islam est mélangé à la culture, al-thaqafa, taqalib, les coutumes. Et elle raconte qu'après avoir terminé ses secondaires, lorsqu'elle a terminé ses secondaires, elle rêvait de faire l'une des deux choses, soit s'inscrire à la faculté de droit, ou alors s'inscrire à la faculté des beaux-arts, al-funun al-jamila. Mais malheureusement, ces points, donc le résultat de son bulletin qu'elle a eu, donc au bout de ses études secondaires, ne lui donnait pas accès à l'une de ses deux études. Et c'est là qu'elle a choisi d'entrer au théâtre. Et vu que c'est une femme qui est connue, femme d'Alhamdoulilah, elle porte son niqab, donc elle est tranquille. Mais à l'époque, donc ceux, entre guillemets, qui ont regardé, ou qui regardaient ses films, Allah Musta'an, cette femme était connue. Donc pour sa beauté, elle a une très grande réputation pour cela. Alors lorsqu'elle a commencé dans le théâtre, bien sûr elle a attiré le regard de certains requins. Et c'est attiré le regard de certains requins qui sont intéressés à elle directement. Et elle a brûlé les étapes et elle s'est retrouvée au cinéma. Car elle est connue dans le monde du théâtre, dans le monde des artistes, comme on dit, qu'ils doivent passer par des stades, par des étapes. Avant d'arriver au cinéma, il y a beaucoup de stages à faire dans le théâtre. Et lorsqu'elle entre au cinéma, qu'est-ce qu'elle dit? Subhanallah. Elle dit le fait que je m'expose devant l'écran, avec mes habits, avec mon maquillage et tout ce qui s'ensuit, je me sentais mal à l'aise. Je sentais, taqoul, elle dit, kuntu ash'uru bi dayqin fi nafsi. Je sentais une étroitesse au fond de moi-même, j'étais mal à l'aise. Donc elle ne se sentait pas bien. Pourtant, elle a gagné beaucoup d'argent. Ce qui a encore aggravé plus la situation, c'est que son mari, la personne avec qui il s'est marié, c'était également un acteur. Donc, de quoi faire entre guillemets un couple parfait. Et que s'est-il passé? Alors elle raconte, elle relate son histoire, qu'elle a fait le tour des grands magasins de vêtements et de mode, que ce soit en Égypte, au Caire, Alexandrie, l'Iskandria, ou alors également à Paris, où elle s'est rendue avec son mari, et à Londres aussi, pour acheter des vêtements. Mais petit à petit, elle a commencé à se réveiller, en se disant, subhanallah, je me fais belle pour les gens. Mais que pense de moi, mon Seigneur? Mada yaqul fi Rabbi? Qu'est-ce que mon Seigneur pense de moi? Mais que pense de moi, mon Seigneur? Mada yaqul fi Rabbi? Qu'est-ce que mon Seigneur pense de moi? Et là, elle a commencé à avoir une autre orientation. Elle a commencé, même si elle achetait des vêtements, comme on dit de mode, elle s'est pris comme engagement de se couvrir. Et le déclic va arriver. Pendant le Ramadan, elle avait l'habitude de se retrouver avec d'autres copines à elle pour lire le Coran. Pour lire le Coran pendant le Ramadan. Et aucune de ses amies n'était pratiquante. Mutadayna, aucune d'entre elles.
Mais ma habbata du Coran, par amour pour le Coran, par respect pour ce livre, même si malheureusement, elles n'ont pas pris les enseignements qu'il contient. Donc, elles se réunissaient, et lisaient, et récitaient donc le Coran. Elle avait une passion, à force de lire le Coran, à force de s'intéresser au Coran, le Coran, elle avait un rêve, une passion, c'est d'aller faire l'Umrah. Elle a visité les lieux saints d'Islam, Médine et la Mecque. Tout est la Mecque, Médine. Tamam. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit, ses copines? Écoutez, et vous allez comprendre. Ils ont dit, mais est-ce que tu vas, après ça, tu vas porter le hijab? Vas-tu porter le hijab, le foulard, après cela? Elle a dit, je ne sais pas encore. L'une d'entre elles lui a dit, qui a déjà fait l'Umrah, mais malheureusement, l'Umrah, cette visite de Yusla, n'a pas changé grand-chose de son état. Elle lui dit, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, si tu fais l'Umrah, ce n'est pas une condition que tu reviennes et que tu portes le hijab. Porte-le uniquement quand tu es là-bas, pas plus. Hijab. Quel conseil, quel nasiha. Faut-il vraiment l'écouter? Bref, ils ont commencé à lui faire le wiswas. Ils ont commencé à l'influencer, bref, à essayer d'influencer sa décision, que si elle revenait, guerre à toi. Ne porte pas le hijab, reste comme tu es. Et bien sûr, lorsqu'elle est partie, la simple visite des lieux saints, sa simple vision et vue de la Kaaba, l'a profondément touchée. D'être devant la Kaaba, d'embrasser la terre noire. Et c'est là que notre sœur Shams al-Baroudi, qui vous allez voir après, a eu beaucoup de problèmes. Le jour où elle s'est mise sur le chemin de l'islam, elle a eu d'énormes problèmes. Lakin hadhihi sunnatullah fi khalqihi. Ça c'est la loi d'Allah sur terre, que tous ceux qui reviennent au chemin, ou tous ceux qui s'accrochent au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, doivent subir une épreuve, conformément à ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit « Alif lam mim ». أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس les gens croient-ils qu'on les laissera dire nous avons cru وهم لا يفتنون sans qu'ils soient éprouvés ولقد فتنا الذين من قبلهم et nous avons mis à l'épreuve ceux qui étaient avant eux فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين afin qu'Allah sache et connaisse ceux qui sont sincères dans leur foi, l'iman. وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ et qu'ils connaissent, qu'ils prennent connaissance et qu'apparaissent à lui d'une façon claire et évidente الْكَذِبِينَ ceux qui mentent dans leurs prétentions. Elle a rencontré une autre femme égyptienne qui se dénomme Arwa, qui vit justement là-bas en Arabie. Et subhanallah, Allah muqaddir al-asbab, cette femme justement avait écrit un poème sur le hijab. Elle avait écrit un poème sur le hijab. Et le résumé de ce poème, Al-Qasida, qu'elle a écrit, elle lui relate que le fait que lorsqu'elle porte son hijab, elle ne prête attention à personne. Elle ne regarde personne et elle ne fait pas attention, bien sûr, au regard des gens. Que même si les gens lui font des reproches, et le gars a fait hijab. Donc ma satisfaction se trouve dans mon hijab. Je ne regarde pas les gens. Je ne m'intéresse pas à ces gens qui me regarde et qui me vise du regard. Subhanallah. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala lui a porté un sabab entre ses mains, sur un plateau d'or. Et c'est là qu'elle s'est rappelée ce que sa femme lui disait, lorsqu'elle était encore au Caire. Ce que sa femme lui disait, lui relatant, lui disant, Andek, fais attention, ne va pas là-bas, tu te reviens avec un hijab. Va faire ta Umrah, reviens, reste comme tu es. Tu es belle. Inna ki jamila, reste comme tu es. Et c'était le déclic. C'était le déclic de son repentir et son retour. Et le jour où elle a commencé à porter le niqab, elle s'est fait agresser, pas physiquement bien sûr, elle s'est fait agresser par les journaux, les revues d'Égypte qui hier vantaient ses qualités. Hier, ils la mettaient sur un piédestal. Et depuis qu'elle porte son niqab, depuis qu'elle est mutadayyina, qui s'est accroché à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils lui ont tous déclaré la guerre. Regardez, subhanallah. Ahlul fasad, les gens de la perversion ne t'aiment que lorsque tu es avec eux. Mais lorsque tu quittes leur monde, là ils deviennent intolérants.
Et Allah fait ce qu'il veut de sa création. Ça, c'est l'histoire, bien sûr, en résumé, de notre sœur Shams al-Baroudi, qui est bien sûr toujours vivante. Alors, qu'est-ce qu'on retient comme leçon de son récit? La première chose, ce doute qui l'envahissait. Ce doute sur soi qu'il a travaillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé un jour, dans un hadith rapporté par Muslim. Il a été interrogé, on lui a dit, nous parlons au fond de nous-mêmes, de certaines choses. Et ceci grandit au fond de nous-mêmes. Le prophète répond, vous l'avez trouvé, certes. Trouvez quoi l'iman? Il dit, la personne qui se sent secouée au fond d'elle-même, ça c'est la preuve de la sincérité de sa foi. La personne qui se sent secouée au fond d'elle-même, qui se pose des questions cruciales quant à son devenir, c'est la preuve qu'il y a encore une trace de iman, que la flamme, que l'étincelle sur la plus iman est encore allumée, mais qu'elle cherche, qu'elle a besoin de quelqu'un qui puisse qui la rallume et qui l'augmente. Également sa pudeur. La pudeur de cette femme qui, malgré le monde dans lequel elle vivait, qui est un monde de façade, un monde de perversion, malgré ça, sentait une gêne énorme. Avez-vous oublié, mes chers frères et sœurs, ce que le prophète sallam dit lorsqu'il parle, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il parle des shu'ab al-iman, les affluents de l'iman. Et il dit, wal-haya, mada. Et la pudeur fait partie de la foi. La pudeur fait partie des affluents de la foi. Et là, on voit bien sûr qu'à partir du moment où cette femme sentait cette pudeur au fond d'elle-même, alors que dans ce monde, le monde du cinéma, le monde des artistes, comme on dit, le mot pudeur est un mot qui est proscrit et banni et effacé du dictionnaire. Voyez-vous? L'influence de ces gens qui étaient autour d'elle, qui essayaient de la faire fléchir quant à sa décision. Subhanallah, ça nous rappelle ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala disait. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran justement, parlant des prophètes et de leurs ennemis. Il dit, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلُ غُرُورًا. Et nous avons fait de la sorte que les ennemis du prophète ou des prophètes, c'est qui? Shayatin al-ins wal-jinn. Les shayatin, les satans, parmi les humains et ceux des djinns. يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلُ غُرُورًا. Ils s'insufflent mutuellement des faux propos et des tromperies. Et il est connu que Shayatin al-ins est plus difficile à chasser que Shaitan al-Jin. Parce que Shaitan al-Jin, il suffit que tu dises A'udhu billahi minash shaitan rajim, il est parti. Alors que Shaitan al-Ins, le Satan humain, qui est le Satan humain? Le Satan humain, Shaitan al-Ins, c'est cet homme, c'est cette personne dont le fond est mauvais. C'est cette personne dont le rôle principal est d'influencer vers le mal. At-tawjih mahwashar. Cette personne-là, tu peux dire matin et soir, elle est souffre toi. Alors on voit ici, parmi les leçons importantes qu'on tire de son histoire de cette femme, Shams al-Baroudi, c'est que ces gens, Wallahi thumma Wallah, ces femmes qui étaient autour d'elle, Wallahi thumma Wallah, ne le voulaient certainement pas son bien. Mais qu'ils préféraient la voir dans cet état, qu'ils préféraient la voir comme elle est, qu'elle reste dans la turpitude, qu'elle tabqa fi ghayyiha, qu'elle reste dans sa turpitude, dans la désobéissance, c'est bien plus meilleur. Et ça même maintenant, on remarque cela, à titre d'exemple. Quelquefois, on voit et on remarque que lorsqu'une sœur, par exemple, se met à porter le hijab, et qu'elle est couverte, mastoura, qu'elle est chaste, que se passe-t-il? Les premières personnes qui les pointent de leur regard, ce sont nos sœurs, nos autres sœurs, qui elles ne le portent pas. Il est triste de voir que certaines de nos sœurs ont atteint 40-50 ans et où les rêves de l'âge portent toujours pas de hijab. Toujours ses cheveux courts,
son maquillage, je ne sais pas qui elle attend. Toi, c'est une jeune fille. Attention, comprenez, il faut bien me comprendre ici. Et même les sœurs ont intérêt à bien me comprendre. Quand c'est une jeune fille, chabba, on peut comprendre que la jeune fille, entre guillemets, je dis comprends entre guillemets, que la jeune fille veut montrer sa beauté. Mais subhanallah, dites-moi sincèrement, mes chers frères et sœurs, quand une femme atteint la cinquantaine, et elle vire droit vers la soixantaine, qu'est-ce qu'il lui reste à montrer? Ajab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme le relate le prophète sallam dans Sahih Bukhari, il dit لقد أعذر الله بني آدم إلى 60. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait prolonger jusqu'à 60 ans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam dans son hadith dit que, comment dire, que l'argument, ou plutôt l'espace, le champ qu'Allah donne à quelqu'un, il fait en sorte qu'il reste jusqu'à 60 ans. Afin que demain il n'ait pas d'excuses. Il ne dit pas, ouais, en fait, tu m'as privé de ma jeunesse, ou tu m'as fait mourir avant que j'atteigne l'âge de la maturité, et je n'ai pas compris c'est quoi Al-Hidayah, c'est quoi la guidance. Eh bien, nous trouvons malgré ça, malgré cela, chez certaines de nos sœurs, qui sont un peu perdues, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'elles attendent? 50, 60 ans, toujours dans cet état, ilallah al-mushtaka. Donc, le premier regard, la première cible de nos sœurs qui portent Al-Hijab, et nous avons de nombreux récits, de nombreuses histoires où certaines sœurs, le jour où elles ont commencé à se couvrir, bihtisham, avec pudeur, bi-adab, avec respect, eh bien elles ont été mitraillées par le regard d'autres femmes, musulmanes souvent malheureusement, qui elles, en fait lorsqu'elles te voient dans cet état, chère sœur, tu l'as même mal à l'aise. Tu l'as même mal à l'aise. Tu es en train, sans, d'une façon inconsciente, tu es en train de la culpabiliser. Voyez-vous? Et c'est là le malaise que je retrouve justement certaines, donc, de nos sœurs. Le cinquième et dernier récit, c'est un jeune homme d'Égypte, du Caire, qui, un frère raconte son histoire en disant, Ajib comme elle a changé. Son visage, un nour, illuminé. Son regard, calme. Nazarat abira. Lorsqu'il parle, il parle comme s'il parlait avec un compteur. Tous les mots qui sortent de sa bouche, il les pèse. لا يخرج من فمه إلا الكلام الطيب. Ne sort de sa bouche que de bons propos. Et cette personne, ce frère qui raconte l'histoire de ce jeune homme, le connaissait avant. C'était un voyou de la première espèce. Vulgaire. Il ne pouvait s'empêcher de dire aussi de se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Son regard miroitait dans tous les sens. Et pourtant, lorsqu'il est venu dans cet état, ce frère lui a dit, Majanouk, qu'est-ce qui t'a transformé comme ça? Ce visage illuminé, Wajhun, alayhi nur, un regard fixe, pudique, une langue saine, mais qui compte ses mots, lui a dit, je vais te raconter mon histoire. Et écoutez son histoire. Son histoire à lui, il dit qu'un jour, il avait pris le chemin. Par sa voiture, il partait vers une autre ville. Et vous savez, bon, dans les pays arabes et musulmans, donc des fois sur les routes, brusquement, il y a des animaux qui débarquent. Donc sur la route, un mulet, ou bien des moutons, hein, ou une vache. Bon, brusquement, on ne sait pas d'où elle sort, hop. Donc elle traverse, il n'y a pas de droit de piéton, ni rien, elle traverse directement, donc le chemin. Et c'est ce qui lui est arrivé. Donc il roule à pleine vitesse, et c'est là qu'il a vu une vache traversé avec un enfant qui court derrière lui, derrière la vache. Avec un enfant qui court derrière la vache. Il a perdu le contrôle de son véhicule et il s'est retrouvé dans un fleuve. La voiture, écoutez bien, subhanallah, la voiture commence à couler. Il a beau se débattre pour sortir de la voiture, il n'arrive pas. Et il dit au moment même, il dit, « La havatu hayati tamurru alayya »
Il n'est plus le moment de ma vie. Tout ce que j'ai fait comme idiotie, comme turpitude, comme perversion, me passait devant mes yeux comme un film. Je voyais devant moi tout ce que j'ai fait. Toute ma jeunesse, tout ce que j'avais comme mal, comme perversion, comme turpitude, je vois passer cela devant moi comme un film. Vous savez pourquoi ? Car sa fin est proche. Il voit la mort devant lui. C'est là qu'il regrette. C'est là qu'il est dans le regret. Et ce qui est comparable à son histoire, c'est que certains frères nous ont relaté, certains frères qui étaient un peu perdus, un peu sortis du chemin, ils nous ont relaté que ils ont eu un problème cardiaque. Un frère, une fois, a eu un problème cardiaque. Son taux de respiration commençait à diminuer. Et c'est là qu'il a commencé à penser à la mort. C'est là qu'il a commencé à regretter, à ce moment-là, il a commencé à regretter tout ce qu'il a fait dans le passé. Mais il est triste de voir qu'il y a des gens qui passent à côté de la mort. Ils frôlent la mort de près. Wal'iyadhu billah, ils n'en tirent aucune leçon. Alors il dit que la voiture coulait. Et il voyait bien sûr la mort à ses portes. Et c'est là qu'il a commencé à faire l'istighfar, à demander pardon à Allah Azza wa Jal. Et il a beau se débattre pour sortir, c'était impossible. Il a dit, au moment où je me préparais à lâcher mon âme, à la restituer à son propriétaire, qui est Allah Azza wa Jal, il a dit, j'ai vu que mon pare-brise, le pare-brise de ma voiture s'était brisé. Et soudainement, j'ai réussi à sortir et à retrouver surface. Et lorsque les gens l'ont sorti, donc de l'eau, il est directement rentré chez lui. La première chose qu'il a fait, il a arraché toutes les photos qu'il avait sur son mur. Photos de chanteuses, de chanteurs, de musiciens, de je ne sais quoi. Et il a commencé à pleurer, à regretter. Il a commencé à regretter amèrement tout ce qu'il a fait. Et dans son quartier, il y a une mosquée. Dans son quartier, il y a une mosquée. Et pourtant, subhanallah, combien de fois a-t-il entendu une adhan ? Combien de fois a-t-il entendu une adhan ? Il n'y a aucun impact. Et pourtant, il dit qu'à ce moment-là, lorsqu'il a entendu l'adhan, l'adhan habituel du muadhin dans cette mosquée pour la prière du Maghrib, il dit كأنه أسمعه لأول مرة. Il dit c'est comme si je l'entendais pour la première fois. لقد ولدت من جديد. Je suis né de nouveau. Je suis sorti sain et sauf. Allah subhanahu wa ta'ala m'a préservé ma vie. Et c'était bien sûr le point de départ de son retour vers Allah Azza wa Jalla. Il y a ici bien sûr quelques conclusions, quelques arrêts par rapport à son histoire, à son récit. La première chose, c'est quelquefois il faut une secousse pour que la personne se réveille. C'est ce que l'imam Ibn Qayyim a dénommé Al-Yaqaba. Dans son livre Madarij al-Salikin, il l'a dénommé Al-Yaqaba. Et il a défini Al-Yaqaba en disant Inzi'aj al-qalb, Inzi'aj al-qalb, bira'at al-intibah. Il dit, c'est lorsque le cœur est secoué par un appel. Ra'atul intibah, par un appel qui est fort, un appel qui est splendide. Un appel qui vient, qui le secoue et qui fait en sorte qu'il se réveille du coup après un long sommeil. Et c'est ce qui lui est arrivé. La mort qu'il a vue devant lui a secoué son cœur. A fait en sorte que c'était le point de départ vers un retour sincère. Tawbatul nasuh, un retour sincère vers Allah Azza wa Jalla. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Il y a des gens qui veulent se repentir, mais c'est trop tard. Il y a des gens qui veulent retourner vers l'amal salih. Hayhat, hayhat, ima yu'adou. Mais gare à eux, gare à ce qui les attend. Et écoutons ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de ces gens-là. De ces gens qui attendent le dernier moment pour se repentir. Quelquefois, wallahi thumma wallahi, quelquefois c'est trop tard. Hatta ila jaa ahaduhum al-maut, qala rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, wa min wara'ihim barzakhun illa yawmi yub'athun. Hatta ila jaa ahaduhum al-maut, lorsque la mort se présente à l'avant, qu'est-ce qu'il dit? Il voit la mort devant lui, il voit la mort comme étant une issue fatale, il ne peut pas y échapper. Qu'est-ce qu'il dit? Qala rabbi irji'un, ô mon Seigneur,
Arjihni, remets-moi dans ce bas-monde. La'alli a'malu salihan fima tarak. Peut-être vais-je faire de bonnes actions dans ce que j'ai laissé dans ce bas-monde. La wallah. Kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha. Certes, ce n'est qu'un propos qu'il dit. Mais c'est trop tard. Wa min wara'ihim barzakhun illa yawm yub'athun. Est-ce qu'il les attend derrière eux, c'est le barzakh? C'est ce monde intermédiaire qui est entre la tombe et la résurrection, al-ba'th. Vous voyez comment la personne peut essayer de faire marche arrière, mais c'est trop tard. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Il n'y a pas de repentir ici. وليست التوبة للذين يعملون السيئات. Il n'y a pas de repentir pour ceux qui commettent des turpitudes, des mauvaises actions, des perversions. حتى إذا حضر أحدهم الموت. Et lorsque l'un d'entre eux, lorsque l'une de ces personnes qui commet cette turpitude, qui commet ces péchés, lorsque la mort se présente à lui, qu'est-ce qu'il dit ? Inni tubtu al-an. Je me suis repenti maintenant. La wallah. Thumma wallah. Il n'y a pas de repentir pour ces gens-là. Car comme le précise le prophète sallam, al-gharghara. Al-gharghara, c'est lorsque l'âme monte, lorsque la personne arrive au dernier stade de l'agonie, il n'y a plus de repentir, c'est trop tard. Et également, je connais le récit, ça s'est produit l'an dernier, je connais l'histoire d'une personne, un jeune, ici à Bruxelles, qui a, rahimahullah, il est mort. Il a 35 ans. Et ce jeune homme, c'est quelqu'un qui est assez riche. Beaucoup de magasins, beaucoup de maisons, bref. Allah s'en fait à aller. Allah lui ouvre les portes par rapport au bienfait de ce bas monde. Mais malheureusement, il n'a pas remercié Allah Azza wa Jal. Et il ne priait jamais. Il ne s'est jamais prosterné. Et pourtant un jour il était frappé par un cancer. C'était l'an dernier. Il a été frappé par un cancer du poumon. C'est quelqu'un de riche, il a de l'argent, il peut se faire soigner, c'est pas difficile. Et lorsqu'on l'a hospitalisé à l'hôpital AZ, l'AZ de UB que vous connaissez, après plein de traitements chimiothérapiques, les médecins ont dit que c'est terminé. On ne peut plus rien faire pour toi ou pour vous, donc attendez vos derniers jours. Et quelques frères me racontent qu'ils lui ont rendu visite. Ce frère, il pleurait sur son lit. Il dit, mais pourquoi je n'ai pas prié? Allez, pourquoi je ne me suis pas mis à prier? Pourquoi cette dunya, ce bas monde m'a trompé? Pourquoi? Et alors il pose une question que n'importe quelle personne qui s'en rend dans la mort se pose, surtout lorsque son passé est lourd. Il interroge l'un des frères qui était présent lui disant, crois-tu qu'Allah se fasse pardonner? Allah va-t-il pardonner tout ce que j'ai fait? Et le frère n'a pu lui dire qu'une seule chose. Maintenant que tu es encore capable de bouger ta langue, que tu es encore conscient de ce que tu fais, demande pardon maintenant. Il est un peu trop tard, c'est vrai. Demande pardon. Toubi d'Allah Azza wa Jal. Estaghfirabbak. Fais l'istighfar. Dis astaghfirullah. Répète-le plusieurs fois. Et peut-être, inshallah, souhaitons-le, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse t'inclure dans sa miséricorde et dans son pardon. Et donc ce jeune homme regrettait, et regrettait amèrement. Parce que, comme je le disais là tout à l'heure, Satan parmi ses pieds, c'est qu'il trompe la jeunesse. Il insuffle en nous l'espoir, en disant, on est jeune, on est en bonne santé, on est dynamique, rien ne peut nous arriver. La maladie, la mort ne frappe que les personnes âgées. C'est comme ça qu'on a compris. Écoutons ce que dit l'imam Shafi'i dans certains vers poétiques. Il dit, dans certains vers abiyat shi'riya, vers poétiques, il dit: تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تؤمل في الدنيا طويلا. Tu alimentes beaucoup d'espoir dans ce bas monde. ولا تدري, tu ne sais pas. إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر.
Si la nuit se couche, vas-tu vivre jusqu'à l'aube? Et combien avons-nous entendu des gens, jeunes et moins jeunes, qui sont morts dans leur vie? Ils se sont réveillés et ils ont trouvé mort. فَكَمْ مِنْ صَحِحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ. Combien de gens en bonne santé sont morts sans être malades? وَكَمْ مِنْ مَرِيدٍ عَاشَ دَهْرًا إِلَى دَهْرٍ. Et combien de personnes malades ont vécu des années encore plus longtemps que quelqu'un qui est en bonne santé? Alors on voit ici que le piège de Satan, comme le relate Allah subhanahu wa ta'ala, يَعِذُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ. يَعِذُهُمْ, il leur fait des promesses. وَيُمَنِّيهِمْ, et il alimente en eux l'espoir. وَمَا يَعِذُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Alors qu'Iblis, tout ce qu'il fait, il alimente en l'être humain l'espoir. En réalité, il alimente en lui de faux espoirs. Et lorsque la mort vient, c'est là que l'un d'entre nous dit, إِنِّي تُبْتُ الْآنِ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ. Allah subhanahu wa ta'ala exclut le repentir. Il exclut, il l'annule pour ceux qui commettent des turpitudes et des péchés. Et lorsque la mort arrive, ils disent, je me suis repenti maintenant. Alors bien sûr, il y a dans ces récits que nous avons cités et relatés ici, de riches leçons pour ceux qui réfléchissent, de riches leçons pour ceux qui vont certainement repérer dans ces récits des points communs. Car comme je le disais au début, Al-insan madaniyun bittaba, comme l'a dit Ibn Khaldun rahimahullah, Al-insan madaniyun bittaba, l'être humain est social par nature, il a besoin de son prochain. Al-aqlu aqlan, matbu'un ou masmou'. Al-aqlu l'intelligence humaine. Deux catégories se divisent en deux catégories. Cette intelligence innée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie en chaque être humain, et cette intelligence, cette raison que l'on acquiert en écoutant ce qui se passe, ce qui arrive aux autres, en sachant que demain, cela risque d'arriver à nous-mêmes. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.